بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد Mes soeurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne reviennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole dominant sur toute chose n'en déplaise ses ennemis. Le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant demandant protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la sincérité de celui de qui on prend sans se poser les questions. Je nomme Mohammed Ibn Abdullah. Il ne parlait pas de lui-même. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc... Soyez les bienvenus dans ce jardin parmi les jardins du paradis. Et certains étaient fiers d'avoir été cités parmi les gens du paradis, du jardin du paradis. Qu'Allah nous compte tous parmi ceux-là. Ensuite, un clin d'œil, un remerciement à cette sœur et ses frères qui sont venus visiter la mosquée dimanche dernier, en compagnie de l'imam Diané, qu'Allah le bénisse, ainsi que d'autres imams qui sont venus donc visiter et que j'ai découvert. Sur Facebook, avec beaucoup de commentaires très positifs. j'avoue que je ne l'attendais pas, dans la mesure où ce n'était pas quelque chose d'ordonné euh, ni quelque chose de, de convenu. Mais Alhamdulillah, qu'Allah qui fait sortir le vivant du mort, du mort du vivant, en fasse une occasion pour que sa, son nom soit élevé, et il l'est, envers et contre tout. Donc un salam à ses frères et à ses sœurs, un salam à tous ceux qui ont partagé donc, ces moments-là, comme c'est tous ceux qui partagent nos entretiens, ce moment privilégié qu'Allah nous a accordé pour peu de temps, pour partager ce qu'il aime, à savoir l'élévation de son nom, son rappel, parce qu'il a voulu nous évoquer pour que nous puissions l'évoquer. Qu'Allah bénisse donc notre assemblée, et bénisse notre temps et nous rassemble tous au paradis. Mais ceci n'est possible que grâce à Allah, par Allah et pour Lui, au travers de l'éducation de l'âme, qui est donc notre, le sujet de ces lives du mercredi, donc à 20h GMT, 22h, heure française. Et on vous gardera, Inch'Allah, 20h GMT pour justement éviter à nos frères et nos sœurs qui font des efforts. Pour rester, pour ne pas le faire plus longtemps. Donc, on gardera, ch'Allah, 20h GMT, c'est-à-dire, après le changement d'horreur, on le, on le fera 21h pour ceux de France et d'Europe, peut-être. Mais ce sera toujours 20h GMT, ch'Allah, pour nos frères d'Afrique noire et d'ailleurs, pour nos frères du Comore, ce ne sera pas mieux. Je leur passe le salam, c'est quand même un peu toujours tard. Mais Alhamdulillah, celui qui aime ne compte pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne compte pas par euh, une récompense, par ce que lui seul sait. Il est le généreux. Donc la semaine dernière, nous avons vu, et les semaines d'avant, l'importance de la science, mais surtout nous avons vu le, la plus grande des injustices. Et Allah n'aime pas l'injustice. Allah n'aime pas l'injustice. Toutes les formes d'injustice, il les interdit. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, mais il ne veut pas. Il se les interdit. Il dit ah, ibadis, Inni haramtu nafsi wa ja'altuhu » Mes serviteurs, ô oh, mes serviteurs, quel est généreux Seigneur! Ô oh, mes serviteurs, nous appelle-t-il! Ô oh, mes serviteurs, pour nous honorer, pour attirer notre attention sur une chose importante, Ya Ibadi, ô ô mes serviteurs, qui sommes-nous pour que Allah nous désigne par mes serviteurs, les serviteurs du miséricordieux? Ô oh, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, c'est-à-dire mettre des choses à une place, prendre le droit de quelqu'un. Et je vous l'ai rendu interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dhulm. dans les hadiths rapportés par l'imam morts musulmans, Abu Saïd al-Khudri Khalalagré, il a rapporté le Prophète sallallahu alayhi wa sallam craignez l'injustice. L'injustice, ce sont les ténèbres au jour du jugement dernier. Ce sont les ténèbres au jour du jugement dernier. Et l'injustice de sa communauté, comme il a défini, dans un autre hadith, c'est celui qui vient au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'aumônes, beaucoup de bonnes actions. Donc Allah a accepté parce qu'il était croyant et qu'il a fait pour Allah seul et qu'il a suivi l'exemple du prophète. Mais il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah va prendre ses bonnes actions et va le donner parce qu'il est juste. Et s'il n'a plus de bonnes actions, il va prendre les péchés équivalents. que si les gens injustement traités, il va leur donner. Il va les mettre dessus, il va tomber en enfer, c'est de la communauté de Muhammad alayhi wa sallam. Qu'Allah nous protège contre nos injustices. Il pardonne très certainement. Mais quand on prend le droit de qui que ce soit en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas. Il règle toutes les injustices, tous les différents. Donc la pire des injustices, c'est de rabaisser Allah. On a vu que Allah appelle dans la sourate 9, verset 28, ⁇ inna Shirikin, Najas. ⁇ Très certainement, certainement. Les associateurs, c'est une abomination, entre guillemets. C'est une impureté. Pas qu'ils sont impurs, pas qu'ils ont été touchés par l'impureté, ça c'est najis », on a dit. Dans le fiqh, pour faire les ablutions, pour, faire les, pour purifier son habit, purifier le lieu, on enlève l'impureté. Mais l'injustice que constitue l'association à Allah, c'est le rabaisser. Lui qui est élevé, subhanahu wa ta'ala, dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Il est élevé, toi tu le rabaisses. Tu lui donnes un associé, tu lui donnes un égal, tu lui donnes un assistant. Bien sûr que tu rabaisses celui qui est élevé. Tout autre que lui est rabaissé. Celui qui élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Comment tu vas donner à Allah des gens qui pour l'aider, lui qui n'a pas de besoin, lui de qui tout a besoin, sans qui rien ne se réalise, à qui tout revient, tout lui appartient Comment tu vas rabaisser Allah en implorant, en adorant autre que lui en invoquant autre que lui, en implorant autre que lui, en craignant autre que lui, en aimant autre que lui, en demandant aide auprès d'eux, autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la surat 29, et quelle belle surat qui s'appelle l'araignée, al ankabut verset 41. Il donne cet exemple qu'on ne peut trouver nulle part d'autre que dans le Coran. Il donne l'exemple. De ceux qui prennent en dehors d'Allah, des divinités, à côté ou avec Allah, il, donne, il dit que c'est comme l'araignée, c'est lui qui l'a créé, comme il a tout créé. Qui, pour se protéger, prend, fait une toile Y a-t-il plus fragile que la toile de l'araignée Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est si beau. L'araignée qui se pavane, je dirais, dans sa toile, pensant avoir tissé une protection il te suffit juste de lever le doigt ou quoi que ce soit pour détruire sa protection. Parce qu'il n'y a pas de protection. Celui qui Allah ne protège pas n'est pas protégé. Celui à qui Allah ne n'accorde pas n'aura rien. Parce que tout lui appartient. Donc ce bel exemple doit rester en tête. Et Allah le donne d'ailleurs. c'est Il a voulu également que cette sourate 29 porte ce nom-là pour qu'on s'en rappelle. On passe malheureusement à côté des choses simples adorer autre que Allah, aimer autre que Allah, craindre autre que Allah, espérer d'autre que Allah, c'est comme si on se protégeait avec une toile qui ne nous couvre pas, qui ne couvre rien. Et donc c'est bel exemple qu'on le garde en tête, afin d'œuvrer pour Allah seul. L'adoration nous avons dit et c'est le droit le plus absolu d'avoir. Muad ibn Jabal, nous l'avons vu dans un hadith nous avons relaté le professeur Sallam est parti il est revenu il a dit à mo'ad il dit me voici au messager d'allah la baïkaïa rasulallah il dit est ce que tu connais le droit d'allah il dit le droit d'allah c'est que tu l'adores sans rien lui associer et nous avons cette occasion dire après la mort du professeur salam on doit dire allahu alam même si ceux qui ne connaissent pas la religion hein. les spéculateurs et les polémistes te dire non non on peut dire allahu alam le prophète s'il était là, qu'est-ce qu'il aurait fait Qu'est-ce qu'il aurait dit Les savants, ceux qui aiment leur Seigneur, qui sont les héritiers des prophètes qui disent Allahu a'lam. Une fois que Allah l'a rappelé, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Donc il ne sait pas. S'il disait, si les compagnons disaient, les meilleurs des hommes après les prophètes que Dieu les Zagré, s'il disait Allahu wa Aram, il disait Allah, il ça parce que le professeur posait la question. Donc Allah lui a révélé la réponse. Donc il savait. Il ne connaît pas l'invisible. Qui est une exclusivité d'Allah. Celui qui pense que quelqu'un d'autre connaît l'invisible, il l'a associé à Allah. Donc cette association a plusieurs formes. C'est la, la raison pour laquelle nous avons voulu rester un tout petit peu dessus, parce que malheureusement, dans nos cultures, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actes, il y a beaucoup d'associations, je ne dis pas qu'elle fait sortir de l'islam, mais il y a beaucoup d'actes, beaucoup de choses que nous faisons sans faire attention. Il y a deux types donc d'associations. L'association que Allah ne pardonne pas, c'est ce qu'on appelle un shirk al-akbar. C'est l'association ou l'associatrie, comme quelqu'un l'a inventé en traduisant les sons du Coran et de la Sunna. L'associatrie, nous on l'appelle l'association ou le shirk tout simplement. Enrichissons la, la langue française avec le shirk, que vous trouverez ni dans le Larousse, ni dans le Robert, mais on va l'appeler le shirk, c'est l'association. Il y a une forme de shirk, une forme d'associatrice qui fait sortir l'auteur de l'islam. Et donc, dans ça, il y a des formes qui sont apparentes, l'association apparente, il y a des formes qui sont subtiles. Les apparentes, on les connaît, en tout cas pas toujours, mais les apparentes surtout par la parole, par les actes que l'on voit se prosterner devant une tombe, se prosterner devant des idoles, se prosterner ou prier quelqu'un, quel que soit, faire une courbette en recherchant son agrément, bien entendu, c'est de l'association qui est connue de tous. Nous avons dit la semaine dernière, juste pour terminer, sacrifier pour autre que Allah, bien entendu, non seulement Allah l'a interdit, la viande en question est interdite, celui qui le fait sort de l'islam, parce qu'il a fait pour autre que Allah ce qu'on doit faire que pour Allah. Quand je dis sacrifier pour quelqu'un d'autre, c'est au nom d'Allah qu'on sacrifie, ni au nom de personne, ni d'un ange, ni d'un prophète, ni de qui que ce soit. La viande devient haram. Il y a des sacrifices, si on prend, on revient sur ce cas, des sacrifices qui sont légiférés, comme le sacrifice à l'Aïd, comme le sacrifice quand on a fait certains péchés, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'a ordonné pour celui, par exemple, qui a eu des relations intimes pendant les journées de Ramadan, sans excuse, etc. Ça, ce sont des choses qui sont légiférées. Également, légiférer le fait de sacrifier à l'occasion du mariage, pour faire une fête de mariage. À l'occasion également d'une naissance. Tout ceci est légiféré. Parce qu'on le fait pour Allah en suivant la sunnah du meilleur raison, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des sacrifices qui sont. Autorisé. Autorisé comme le fait de sacrifier pour un boucher et de le vendre. C'est également autorisé le fait de sacrifier parce qu'on a un ami, on a un parent, on a un hôte qui vient et le professeur sallallahu alayhi wa dit, c'est le qui croit en Allah au jour du jugement, jour du jugement dernier qui l'honore son hôte. Et les gens dans les anciens étaient très généreux et Allah est encore plus généreux. Donc de voir... Un autre, on est tellement content que le seul poulet qu'on a, Alhamdulillah, on le trouve encore au village. Des gens qui sont riches, riches de cœur, même s'ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont qu'une euh, qu chèvre ou ils n'ont qu'un mouton. Ils ne se préoccupent pas de demain. Demain appartient à Allah, comme tout lui appartient. Nous, il nous faut programmer sur des années, voire des siècles, bien que les frigos et les congélateurs soient pleins. Ça, ce sont des choses qui sont autorisées, voire qui sont recommandées. Et les sacrifices qui sont bien sûr interdits. Les sacrifices qui sont interdits, qui deviennent de l'association majeure, qui font sortir de l'islam en ville, Sacrifier parce qu'on a été voir un charlatan qui nous dit, il faut sacrifier ceci pour que ceci n'arrive pas. Et ça, on le fait malheureusement souvent. Sacrifier euh, une vache noire. Pour se protéger contre, sais, contre les djinns, sacrifier pour les djinns parce que les djinns aiment ça. Sacrifier pour avoir telle et telle chose. Et beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de co-régionnaires plutôt le font parce qu'on a on sacrifie pour autre que Allah. Et malheureusement, sacrifier parce qu'on s'est marié, il faut faire couler du sang. D'où on le tire ça. Et il faut que les mariés enjambent. Ce sang-là pour qu'ils soient heureux. Ils sont déjà malheureux pour très longtemps. Sacrifier parce qu'on veut faire couler du sang pour entrer dans une maison pour se protéger. Protéger contre quoi? Protéger contre les djinns, certainement, pour ce qu'on ne voit pas, pour ce qu'on craint, tout, ce, tout cela, ce sont des choses qui sont absolument interdites. Pas parce que on le dit ici, parce que les savants sont unanimes dessus. Il n'y a que les ignorants et ceux qui vivent, les charlatans qui vivent de cela, qui vont l'autoriser. Je ne connais pas de divergence entre les savants sur la question. Sacrifier sur une tombe, sacrifier pour quelqu'un qui est mort, et en allant lui demander de surcroît d'avoir de, un enfant ou je ne sais quoi d'autre. On dit toujours de sacrifier. Il faut faire couler du sang. Pour Allah. Bien sûr, on te dit non, c'est pour Allah, c'est pour qu'Allah te donne De Quelle est la preuve D'où cela vient-il Tout ceci, bien entendu, c'est quelque chose d'extrêmement grave et malheureusement, on le fait. Combien d'entre nous ont sacrifié pour ceci, pour cela, pour son examen, pour euh, avoir ceci, pour, ne pas, pour se protéger contre ceci et cela C'est de l'association qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous fasse sortir des ténèbres vers la lumière comme il l'a voulu au travers de l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au travers de la conservation de sa parole incrée qui est le Coran, au travers de l'élévation des gens de science qui le connaissent et qui l'aiment et qui le craignent. Je veux parler de savants, ça qu'Allah ça, les bénisse tous. Ce sont des actes donc qui sont apparents, que l'on voit malheureusement faire dans beaucoup de pays, à majorité musulmane, dans beaucoup de gens qui vont à la mosquée. Par beaucoup de gens qui vont à la mosquée, ce sont des choses qui sont complètement interdites. Il y a des choses que l'on dit qui sont des associations mineures, on dira, mineures, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. L'association mineure est un grand péché. Mais elle ne fait pas sortir de l'islam. Voilà la différence. Ce qui fait sortir de l'islam, ça veut dire que celui qui fait cette pratique-là n'est plus musulman. Et celui qui le fait... Et il reste musulman, mais il a fait un grand péché, pour lequel, bien sûr, il faut revenir repentant, demander pour pardon à Allah, regretter la chose, décider de ne plus jamais la faire, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Les prophètes sont tous venus pour nous enseigner Allah seul mérite l'adoration, et tout, tout le contraire devient de l'association. Parmi les choses qui sont, je disais, que l'on entend souvent, par la parole, donc, qui est apparente, c'est juré par autre qu'Allah. On entend. Je jure par ceci. Et même chez des érudits, pas érudits, en tout cas chez des instruits plutôt, quand on entend je jure par tel saint. Et mes frères Peul savent, quand je dis, quand on entend Barka Amadou, par la baraka de Sheikh Amadou, qu'elle fasse miséricorde. Jurer par autre que Allah, le sallam a dit, il a mécru ou il a associé à Allah. Les savants disent que c'est une mécréance qui est en dessin de la mécréance qui fait sortir l'islam. C'est une association qui est en dessin de l'association qui fait sortir l'islam. Pourquoi? Parce que jurer, on prend à témoin, je jure, ça veut dire je prends à témoin l'être supérieur, l'être suprême. Je vous prends à témoin. Certaines mères prêtent prennent à témoin leur enfant, la tête de leur enfant, la vie de leur enfant. Je te jure sur la vie de ma mère, dit certains jeunes égarés qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je te jure sur la vie de mon fils. De mon, si ce n'est pas vrai, alors que mon fils meurt. Et donc, Allah n'accepte pas cela, parce qu'Allah, il est le seul. Le sallam a dit que celui qui jure par autre que Allah, il a soit mécru, soit fait de l'association. Donc on doit jurer que par Allah, comme il n'y a rien. De plus élevé, il n'y a rien de parfait si ce n'est Allah. Allah jure par ce qu'il veut. C'est pour ça que dans le Coran, il jure par lui-même, mais il jure également par ses créatures. Wallahi, Billahi, Allah le dit dans le Coran. Il jure par Ashamsi, Wadahaha, Wallaqamari, Ilatala, Wallaqamari, et Allah jure par ce qu'il veut. Parce que c'est lui, Subhanahu wa Ta'ala, qui. Est le plus élevé et qui mérite qu'on le prenne pour témoin. Il y a d'autres choses que l'on dit qui nous paraissent, surtout dans la culture dans laquelle je suis né, qui paraissent anodines, mais qui sont très graves, mes soeurs, qui sont très graves, mes frères. On le fait souvent par ignorance. Quelqu'un est venu voir le prophète en disant Macha Allah, Washit, c'est que Allah a voulu ainsi que toi que tu as voulu. On peut l'imaginer, il se met en colère, il ne s'est mis en colère que pour Allah. Jamais le prophète s'est mis en colère pour lui-même. Qu'on lui a fait une chose, jamais. Ça c'est nous, jamais. Parce qu'il avait le cœur le plus pur. Parce qu'il avait comme seul objectif la satisfaction d'Allah. Son moi, il a, il a, comme les prophètes, Allah l'a soumis à, à lui, subhanahu wa ta'ala. Sa volonté était la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quant à nous, l'ego prend le dessus. Tu ne sais pas qui c'est. Je vais me venger. Non. Il ne s'est vengé que pour Allah. Il n'a vengé que la cause d'Allah. Jamais le prophète al wa n'a levé la main ni sur une femme ni sur un esclave. Jamais. Chaque fois qu'il a levé la main, c'était dans le combat pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamais il n'a levé la main sur qui que ce soit. Il s'est mis en colère à l'Esrah il dit :« Vous me prenez que vous m'associez à Allah. Dites plutôt ce que Allah seul a voulu. » MashaAllah. Et on entend souvent :« Si Allah veut, son prophète. » Comme si le prophète a une place dans, le, dans la volonté d'Allah. Le prophète n'aime que ce que Allah aime. Il déteste ce que Allah déteste. Mais ce que Allah veut simplement, comme il a dit, dit ce que Allah veut, c'est réalisé. Mais beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos co-religionnaires, disent si Allah et son messager veulent, et si tu leur parles, on lieu de remercier Allah d'avoir connu la vérité et de l'éviter la prochaine fois, et qu'Allah bénisse celui qui dit Oh Allah, fais-moi, montre-moi la vérité telle qu'elle est, malgré les obstacles qu'on y met, et permets moi de la suivre. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Le sallam a dit L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Ah non, moi, mes grands arrières-parents, tu veux dire qu'ils ne le connaissent pas. Non, je remercie plutôt Allah subhanahu wa ta'ala en fait de la ibn Khattab Qu'Allah kalal bénisse celui qui voit un de mes défauts et qui me le signale. Quant à autre, tu te prends pour qui Moi j'ai été, c'est moi qui t'ai mis au monde ou j'ai su ça avant que tu ne naisses, j'ai commencé la prière avant. D'accord, et après Et après Allah enseigne ce qu'il veut à qui il veut. veut. Est-ce que c'est toi qui vas diviser les bienfaits d'Allah Ma soeur, mon frère, et remercie Allah d'avoir mis sur ta route quelqu'un pour te corriger, pour t'amener vers le paradis et t'éloigner de l'enfer. C'est ce qu'a demandé Il ibn Jabal. Ya Rasoul Allah, donne-moi un conseil qui va m'amener au paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. Il dit, tu as dit une chose qui est difficile, mais Allah va le faciliter à qui il veut. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. C'est une épreuve. tu rencontres quelqu'un qui te montre un chemin, plutôt que de le qualifier de ceci et de cela, d'extrémiste et je ne sais quoi l'autre, hein? de sectaire et je ne sais quoi l'autre. Écoute, Allah dit dans la surah 39, « annonce à Mohammed la bonne nouvelle à celui, à mes serviteurs qui, de ce qu'ils entendent, ils choisissent le meilleur. Que l'on ne soit pas là, sectaire, en acceptant que, comme Karim me le disait, qu'elle le bénisse, il est encore là, fidèle au poste. Quand on a fait un poste sur le Maulid etc., il y en a qui disent même si c'est vrai, on n'accepte pas. Même si c'est vrai, on continue à le faire. Fais-le. Personne ne te l'a interdit, on t'a simplement dit que ça n'a pas d'origine. Dans la sunna, c'est tout. Après fais-le. Tu assumes. Et Allah t'a mis sur ta route des gens pour te montrer que ce n'est pas le cas. Mais si tu veux, fais-le. Fais-le. Tu n'auras que les yeux des larmes peut-être à essuyer avant qu'il ne soit trop tard. Quand on aime quelqu'un, on lui enseigne ce qui veut le sauver. C'est pour cela que les enfants ne comprennent pas sur le moment, mais combien de gens ont remercié leurs parents bien plus tard, heureusement qu'ils nous ont réveillés pour aller à l'école coranique, heureusement qu'ils nous ont enseigné la prière, heureusement qu'ils nous ont enseigné, qu'ils nous ont éduqués, parce qu'on voit combien de gens non éduqués aujourd'hui, mal éduqués aujourd'hui, mais bien sûr que les méthodes n'étaient pas les meilleures, mais ils ont voulu faire du bien, c'est pour ça que quand on aime et on doit aimer, ce que Allah aime, on donne ce que Allah nous a confié pour peu de temps aux gens qu'on aime, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici partager ce que Allah a révélé à son prophète, ou dans son livre, c'est la meilleure des fonctions. C'est le meilleur des endroits. Le prophète n'a-t-il pas dit que quand Allah aime quelqu'un, il fait comprendre sa religion. Celui qui prend un chemin qui conduit à la science, Allah lui a un chemin vers le paradis. Donc l'orgueil, c'est le fait de refuser. Parce que mes parents, combien de fois Allah reproche aux gens dans le Coran, et si vos parents ne savaient pas Ça, c'était les politiciens qui disaient nos parents faisaient ceci, ceci et cela. Il ne s'agit pas du tout de dénigrer les parents, pas du tout. Au contraire, l'Islam a toujours mis l'accent sur le respect des parents, à condition que ça n'aille pas à l'encontre de ce que Allah a légiféré. Et même quand il te commande, quand il te commande, Allah, tu as associé à ce qui n'est pas en lui de savoir, ne les obéis pas, et sois avec le commande Et si tes deux parents t'obligent, te contraignent à m'associer ce dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Mais que dit Allah Mais accompagne-les de la meilleure façon. Même en refusant ce qu'ils font, accompagne-les de la meilleure façon. Parce que les parents, Allah leur a donné une place qu'il n'a donnée à personne. Après, son prophète parmi les humains, il n'a donné ça à personne. Et donc, le fait de parler de choses que nous vivons, que nous entendons, ce sont des choses, donc c'est plutôt pour faire le bien, c'est pour partager le bien, c'est pour enseigner le peu que l'on sait, et sur des bases solides. Pas parce que je pense, je crois que. Non, moi, je pense que c'est. Il n'y a pas de mal. Ta révélation, elle vient de Satan. La révélation d'Allah, elle est venue sur le prophète que j'ai révélé, s'il n'y en a plus. Je crois, je pense que c'est l'œuvre de Satan, c'est qui a amené Satan en enfer. Moi, je suis meilleur que lui. Pourquoi Parce que je pense. Parce que j'ai été créé de feu. Lui, il a créé de terre. Et donc, le fait de jurer par Allah et par son prophète n'est pas permis. Le fait de dire si Allah et son prophète le veut, comme si le prophète avait une part, tout il serait certainement le premier à t'éduquer, de l'éducation qu'Allah lui a donnée, à refuser ceci comme il a dit à cela. Quelqu'un qui te dit, et ça nous arrive souvent, c'est grâce à toi, grâce à Allah et à toi. Tu lui dis, non, dis plutôt, c'est grâce à Allah. Il va dire, oui, oui, non, mais je, je, je sais, mais si tu n'étais pas là. Non, Allah n'a besoin de rien, c'est grâce à Allah. La cause première, la seule véritable cause de tout bien, c'est Allah. Allah m'a mis sur ta route. Allah a enlevé ça de ta route. Allah a fait venir ceci, un noyé, et tu sais nager, tu te lances dans, dans l'eau pour essayer de le sauver. Bien sûr, il va te il va te reconnaître, il va te remercier, ce qui est normal. Mais avant tout, tu diras, c'est grâce à Allah. Parce que si Allah n'avait pas voulu, je me serais noyé. Si Allah n'avait pas voulu, je ne passerais même pas par là. Si Allah n'avait pas voulu, je ne t'aurais même pas vu. Et donc, c'est tout est grâce à Allah. C'est pour cela qu'on te remercie. On dit Alhamdulillah, Thum. Les Arabes font cette distinction, ce n'est pas et. Wa. La coordination et. Ce est. Ce n'est pas et. C'est grâce à Allah et toi, non, c'est grâce à Allah puis toi. Allah t'a utilisé pour le bien et remercie-le. Ne disons pas, ne disons pas, c'est grâce à Allah et toi. Et si tu n'avais pas été ici, je ne serais pas là. Non, ne dis pas ça. Si Allah n'avait pas voulu que tu sois là, peut-être que je ne serais pas là. Mais peut-être qu'il aurait mis quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il n'aurait pas créé cette situation. Il est le seul à savoir ce qui n'est pas. Si ça avait été, c'est que ce serait. Et si, 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 comme l'a dit le Professeur sallallahu, ça, ça ouvre la porte au Satan. Ça ouvre la porte au patron. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, des gens sont venus et allons-y demander l'aide, allons-y demander au Professeur Salam contre cet hypocrite. Il a dit, on ne demande l'aide, on ne demande le, le. On implore le secours que d'Allah. Ça, c'est le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans chaque attitude. Si Allah nous veut du bien, on doit se demander si le Prophète salam, était là, qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait fait. Bien sûr qu'il n'est pas là, mais Allah a voulu nous laisser un ensemble de comportements qu'on appelle la Sunna, de dire d'approbation qui résume la Sunna dans laquelle il faut puiser. Il a en telle circonstance il a fait ça. Donc une circonstance pareille, on doit nous, s'il était là, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Mais voilà ce qu'il a dit en pareille circonstances. Donc il y a des paroles comme ça, qui sont graves, mais bien entendu qui ne font pas sortir l'islam, qu'on se comprenne. Ça, c'est le shirk asrar » qui est plus bas, qui est plus petit que le shirk qui fait sortir l'islam. Mais néanmoins, c'est important. Le shirk, donc, peut se présenter sous ces deux formes-là. On a dit le shirk akbar et le shirk asrar. Le grand shirk et le shirk moins grand. Mineur, si on peut l'appeler ainsi. Il peut être apparent comme caché. Je reviendrai au caché après. Comme dans la croyance. Ce n'est pas parce que le shirk est apparent qu'il qu fait sortir l'islam. Ce n'est pas parce qu'il est caché qu'il est mineur. Non. Il y a le shirk dans les deux catégories. Il y a les choses qui sont apparentes et qui sont soit majeures, soit mineures. Prenons le cas qui est très souvent également dans notre communauté, le fait de chercher de l'aide. On va demander de l'aide, tu me diras, c'est normal. Mais ne sais-tu pas que l'aide, l'isti'ana, l'aide est exclusive à Allah. Il en a fait le verset 4 de la sourate al-Fatiha que tu répètes 17 fois par jour. Il y a une forme d'aide qu'on ne peut demander qu'à Allah. « Ya kan wa a les savants disent, c'est pour cela que nous a créé, Je n'ai créé les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. Surat 51, verset 56, 6. Et Allah en a fait. Il y a qu'un c'est toi seul que nous adorons. Et on rajoute quoi Dans l'adoration, la, dans il y a le fait de demander l'aide d'Allah. Les savants disent, pour même pouvoir t'adorer, c'est ton aide que l'on demande. Parce que la hawla wa la illa billah aurait dit clair. La hawla wa la illa billah, il n'y a de force de puissance que par Allah. Tu ne peux adorer Allah que grâce à Allah. Et par conséquent, ils font, Ibn Qayyim fait de ce verset central le résumé de la fatiha qui elle-même est le résumé du Coran, qui lui-même est le résumé de tous les livres que Allah subhanahu wa a envoyés et il l'estime à 114. Donc, la demande d'aide, quand j'ai besoin d'une chose, quand je veux être aidé pour réaliser une chose, c'est à Allah que je demande. C'est à Allah que je demande. Le Prophète sallallahu sallam a pris plus jeune que nous, en général en tout cas, Ibn Abbas, le fameux hadith sur lequel nous avons passé un peu de temps. Quand tu demandes, il a dit, quand il, a mis, quand il était en groupe derrière le Prophète sallallahu sallam, il dit Jeune homme, je vais t'enseigner un certain nombre de choses, observe le commandement d'Allah, il te protégera. Observe le commandement d'Allah et tu trouveras devant toi. Quand tu as besoin, bien sûr, on a toujours besoin d'Allah. Et quand tu demandes, face à l'Illah. ça face à Et si tu demandes, demande à Allah. Et si tu demandes de l'aide particulière, donc il y a une demande particulière, demande-la à Allah. Et sache que, ce qu'il a dit, si la communauté entière se réunit pour te faire un bien, elle ne le fera que si Allah l'avait décrété. Et si la communauté entière te se réunissait pour te faire du mal, ce mal ne t'atteindra que si Allah avait décrété la plume élevée, l'encre à Donc la demande d'aide pour avoir un cœur pur, c'est ce qu'on demande, pour l'éducation, pour le paradis, contre l'enfer, mais ça c'est une autre affaire, pour l'agrément d'Allah. Pour avoir même une bonne mémoire. Pour ceci, tu ne vas pas demander à un marabout qui va t'écrire les choses que tu, qui, que, tu vas la, qui, que tu vas laver et que tu vas boire. Ce n'est pas ça. C'est Allah. C'est lui qu'on demande. Quand tu demandes. Certains compagnons du prophète Sallam, dont Abou Bakr, ont dit que ils ont fait serment d'allégeance au Prophète Sallam pour ne demander rien à personne. Pour ne demander rien à personne. Ça, c'est pour arriver à quoi À la véridicité. C'est pour arriver à la sincérité la plus élevée possible. C'est pour ne dépendre que d'Allah. Cela n'interdit pas bien entendu de demander de l'aide. Cela n'interdit pas de demander de l'aide à, quel, à quelqu'un qui peut dans ce qu'il peut. Un vivant capable de t'aider dans ceci. Monter, sur une, monter, monter dans un véhicule ou sur un animal ou euh, t'aider à transporter quelque chose de lourd. Mais cette demande d'aide, tu ne peux pas la faire à quelqu'un qui est incapable ou qui est absent. Et combien de fois on va aller vers les tombes, combien de fois on va demander aux morts de nous aider à ceci et cela, ça c'est... Cette demande d'aide est non seulement interdite, mais en plus, ça fait sortir des saints mon ordre de Béla. Parce que le mort ne peut rien pour lui-même, encore moins pour toi. Tu as laissé le vivant qui ne meurt pas pour t'adresser aux morts. Ça, c'est quelque chose d'absolument abs grave, extrêmement grave. Elle demande de protection. C'est Allah qui protège. Quand Allah veut une chose, elle se réalise. Personne d'autre ne peut te protéger contre quoi que ce soit. Ce n'est pas le vaccin. Ce n'est pas le médicament, le médicament est un moyen. Allah n'a pas créé une maladie sans avoir créé le, le remède, a dit le professeur Salam, que l'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, donc on va l'utiliser. Mais ce n'est qu'un moyen. Le guérisseur, le seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on va chercher des bons raquis, tu ne connais pas un bon raquis qui va me guérir Non. La demande de protection, on l'a fait à Allah. Et Allah nous a révélé la sourate qu'il a aimée le plus, On a fait une vidéo dessus pendant le ramadan. Le Prophète nous a enseigné. Aouzou bi ridakha min Oh Allah, je demande protection auprès de ta satisfaction contre ta colère. Aouzou bi al-karim. Je cherche protection auprès de ta face noble. Etc, etc. On demande. Quand on cherche protection, on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne cherche pas protection. Pour. Contre plutôt un mal invisible, si ce n'est pas contre la maladie, contre toute autre chose, si ce n'est pas Allah. Le feu est fait pour brûler, mais si Allah veut, il ne brûle pas. La femme, on en a parlé, qui avait un cancer, qui a été faire la umra, qui est revenue, on n'a pas trouvé de trace. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des scanners, ni ni de scanner, ni d'IRM, ni de PET scan, ni tout ce que vous voulez. Cela ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que la protection contre quoi que ce soit, c'est Allah. Aller la chercher auprès de quelqu'un qui en est incapable. Tu vas boire, hein? quelqu'un qui va te donner des choses à porter, comme beaucoup d'entre nous, malheureusement. On porte des gris-gris, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On va. Un lutteur qui a porté, qui a porté un gris-gris, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Il va dire Non, 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 ce, ce, ce n'est qu'un moyen. Mais je vous assure, je vous prends à témoin. Si il oublie son gris gris, je pense qu'il il il est déjà battu. Parce qu'il a porté pour se protéger. Si, disent les savants, c'est ce qui est écrit, c'est le Coran, c'est quand même interdit. Mais s'il associe à Allah comme ça en pensant que c'est Allah qui va le protéger au travers de sa parole, c'est le shirk qui ne fait pas sortir d'islam, mais c'est quand même interdit. Ça c'est la majorité, la vie majoritaire des compagnons du prophète sallallahu Je ne parle pas de ton Marabout. Je parle des compagnons du prophète sallam. La majorité dit que c'est interdit. Prendre quoi que ce soit porter des choses comme on le fait, y compris parfois des imams, des bagues dans lesquelles il y a je ne sais quoi d'autre, hein, ou des choses que l'on attache, des bracelets pour te protéger le prophète sallallahu wa sallam. Ils sont venus lui prêter allégeance. Un groupe. Il a accepté l'allégeance de neuf et pas du dixième. Pourquoi Parce qu'il avait quelque chose au bon, à, à la main, un bracelet. Parce qu'il a compté sur ça et pas sur Allah. Il a compté sur ça et pas sur Allah. Il a refusé d'accepter son serment, son, serment d'allégeance. Il a vu quelqu'un avec un bracelet en bronze ou l'équivalent. Dans un métal, il lui a dit Pourquoi tu portes ça Il dit Parce que c'est pour me protéger contre telle maladie. Il l'a arraché de la main. Il dit Si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. 40 ans depuis quand ce bracelet Depuis quand ce collier Et on envoie nos frères porter plein de choses. C'est le marabout qui m'a donné. Et combien, tu lui as donné combien d'euros Combien de francs CFA tu, tu, prétends à ce, et, et, et tu prétends croire en Allah et tu, tu mets ton espoir de protection contre une chose qu'il a créée et qui ne peut rien pour toi. Si tu penses que c'est la chose qui te protège, c'est le polythéisme majeur. C'est-à-dire que ça sort de l'islam et on est étonné. Tu seras étonné au jour du jugement dernier parce que tu risques l'enfer pour l'éternité. Quand nous en si tu penses que Allah va te protéger au travers de ça, c'est quand même un grand péché. C'est du polythéisme qui est mineur. Ce sont les choses que l'on voit. Et on peut le dire pour beaucoup, beaucoup d'autres. Rentrons, donnons, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Donnons maintenant, parlons du, du polythéisme subtil. Hein. L'amour, la peur. Personne ne le voit, Allah sait. Ibn Qayyim, Il dit qu'il y a quatre types d'amour. L'amour d'Allah, qui est le seul véritable amour. L'amour pour Allah. On aime le professeur Sallam. On aime les gens de bien. On aime, on aime les œuvres de bien pour Allah, qui relève donc de l'amour d'Allah. C'est parce que tu aimes Allah que tu aimes ces choses-là. L'amour naturel et Allah. Le permet. Il a créé en nous de l'amour les uns pour les autres, mais qui ne saurait être de l'adoration, qui est la quatrième catégorie dont Allah parle, Subhanahu wa Ta'ala, sur la salle -baqara, de Baqarah, 2, verset 165. Il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des choses qu'ils aiment comme Allah. Il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des choses qu'ils aiment comme Allah. Les croyants sont plus forts en amour d'Allah. Ça, ça devient de l'association. On aime quelque chose avec Allah. C'est-à-dire, Allah dit ça, lui dit ça. Bon, ben, à chacun, son. son... J'aime Allah, mais j'aime aussi. Donc, quand il y a une contradiction entre les deux amours, deux amours ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. Ibn Qayyim disait là il n'y a autre être digne d'amour que Allah. Et Allah, quand on l'aime, Allah chasse l'amour d'autres que lui dans le cœur des gens. Quand on aime, on aime pour Allah. Et Ibn Qayyim disait encore, que ne vois-tu pas qu'Ibrahim qui est ibrahim Et Allah a pris Ibrahim comme son intime. Il a rapproché Ibrahim mais mais il a voulu que l'amour de son enfant Ismaël ne reste pas. Il veut que son cœur soit rempli de l'amour, exclusivement l'amour d'Allah. C'est pour cela qu'il lui a dit de le sacrifier. Si l'amour d'Allah l'emporte, il va le sacrifier. Si l'amour de cet enfant l'emporte, il va, il va désobéir à Allah. Allah lui a permis, il a donné cet amour-là. Il a appelé son fils, comme vous le savez, et il a voulu le sacrifier. Verset 101 de la sourate 37. Et Allah l'a arrêté. Oui, effectivement, tu as fait preuve d'amour. L'amour exclusif d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que l'amour que l'on a pour qui que ce soit, notamment pour nos parents, pour nos compagnes ou pour nos compagnons, est un amour qui, doit être, qui est celui qu'il est pour nos enfants. Mais l'amour ne doit jamais être comparable ou avec l'amour d'Allah. Ceci est complètement interdit. La peur. Il y a quatre types de peur. La peur naturelle. Commençons par celle-là. Quand tu entends un grand bruit, forcément, tu réagis, tu as peur. Et ne sois pas triste ou ne sois pas déçu parce que mieux que toi, il a eu peur. Moussa ça, salam, il a eu peur. Quand euh, il a été l'occasion, en aidant quelqu'un, pour revenir encore à l'aide, on peut demander l'aide de quelqu'un. On peut prendre protection auprès d'une maison, on peut prendre protection auprès de quelqu'un pour nous défendre. Mais quand euh, Moussa il a aidé un compatriote entre guillemets et que le copte en est, en est mort, il craignait. Allah en parle notamment dans la surat, Al-Qasas, surat 28, dans le verset 18, Allah nous parle de, de la peur de Moussa. Dans le verset 21 encore, il, il, il tournait dans la ville peur, avec la peur. Dans le verset 33 et 34, quand Allah l'a envoyé à Pharaon, il a dit, j'ai peur, comme tu, parce que j'ai tué quelqu'un. Ça, c'est la peur naturelle. Bien entendu qu'elle est permise. Mais elle devient interdite quand cette peur t'empêche d'obéir à Allah. subhanahu wa ta'ala. Elle devient interdite. À moins que ce soit de la contrainte. À moins que ce soit de la contrainte. Ça, c'est notre cas. Mais sinon, si la peur de perdre ton travail, la peur de ceci et cela, je ne parle pas de ta vie, mais la peur de ne pas arriver à ce que tu veux, t'empêche de dire la vérité, de prier, de jeûner, de manifester ce qui est permis de manifester, ce qui est exigé de toi de manifester pour toi, pas pour Dieu, parce qu'il sait tout. Quand cette peur t'empêche de faire ce que tu dois faire, alors ça devient de la peur qui est interdite. Il y a la peur qui est une peur qui est non seulement interdite, mais qui devient de l'association. C'est la peur occulte, la peur des morts. On a peur que le mort en faisant ceci va faire ceci, il va faire cela, il va revenir en rêve ou il va te faire du mal ou la peur des djinns qui va t'amener à faire ce qu'Allah a interdit, ceci c'est ça devient de l'association du shirk akbar qu'Allah nous en préserve. Ça c'est la différence entre la peur et la crainte. La crainte est basée sur la connaissance, on ne doit craindre que Allah. ibadihi al Ça c'est la khashia. C'est une forme d'adoration qui est du domaine du cœur. On te demande, tu as peur Non, 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 je n'ai pas peur. Souvent, quand on demande à un enfant, tu as peur Non, 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 je n'ai pas peur. Comme si ça ne se lisait pas sur ses yeux, sur son visage. Mais tu peux dire que non, en réalité, tu as peur. C'est cette peur, même si tu ne l'exprimes pas, matériellement, qui t'a amené à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a ces quatre formes de peur, dont une qui est qui fait sortir l'islam hors l'a Mettre sa confiance en Allah, le tawakul. Voilà des choses qui sont belles à dire, mais en réalité, on ne doit mettre sa confiance, wa-tawakul, à la comme Allah dit dans la sourate al-Furqan, sourate 25. Et mettre sa confiance aux vivants qui ne meurent pas. L'oiseau a mis sa confiance en un arbre. et Quand on a coupé l'arbre, l'oiseau n'avait plus se reposer le poisson a mis sa confiance dans l'eau quand l'eau a séché le poisson est devenu nu mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas tu mets ta confiance à ton père, à ta mère, à ta compagne à ton compagnon quand il meurt, qu'est-ce que tu deviens tu n'as plus où reposer tu mets ta confiance en Allah mais le fait de mettre sa confiance en quelqu'un n'est pas interdit mais tu ne peux pas mettre ta confiance à un, à un mort Mets ta confiance à quelqu'un qui ne peut pas te donner ce qu'il qu n'a pas. Nous sommes tous pauvres. Nous sommes tous des pauvres. Tu ne peux pas mettre ta confiance de ce point de vue. Non, j'ai confiance. Oui, tu as confiance pour ce que tu peux faire et que tu délègues. Oui. Ça, c'est n'est pas le Tawakkul. C'est que tu mets ta confiance en quelqu'un, tu, tu lui confies une amana, tu lui confies une chose et la personne tu sais qu'elle va s'exécuter au travers de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné parce qu'elle craint Allah. Elle sait que la amana, c'est ce dont le, les cieux, la terre, les montagnes ont été effrayés. Le fait d'être libre et d'adorer Allah subhanahu wa celui qui adore subhanahu wa et qui s'est soumis avec vénération et amour et qui respecte les prescriptions d'Allah, comme il l'a légiféré, celui-là, tu peux lui faire confiance, tu peux déléguer. Le prophète n'a-t-il pas délégué Il a délégué, entre autres, pour le sacrifice, lors du seul périnage qu'il a fait, il a sacrifié de ses propres mains, il a fait le nahr. Sacrifice de 63, chameau on dit, le reste, il a confié à Ali ibn Abi Talib, ibn pour le faire à sa place. On délègue quelqu'un pour aller acheter quelque chose. On lui fait confiance, heureusement. Tu fais confiance à ton compagnon, je l'espère, à ta compagne, aux gens. Le musulman, a priori, fait confiance, sauf jusqu'à preuve du contraire. Il ne s'agit pas de ça. Encore une fois, il ne faut pas mélanger. Mais la confiance, je mets ma confiance en celui-là. Je sais qu'il va me sauver. Il est pauvre. Il ne peut pas se sauver lui-même. Pour ce pourquoi, on ne peut et on ne doit. Faire confiance qu'à Allah, il est interdit de faire confiance à quelqu'un pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala seul peut apporter. Le, le vœu. Quand on fait un vœu, on doit le faire un vœu pour Allah. Et le vœu n'est pas quelque chose de conseillé, comme l'a dit le Prophète Sam. ça n'apporte pas grand-chose, sinon ça soutire de l'argent ou ça soutire des biens ou à l'avare qu'il n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cela. Mais on ne compte pas sur le vœu, et Allah n'est l'obligé de personne. Oh Allah, si tu me donnes une femme pieuse, je vais faire ceci, tu as fait un vœu. Les croyants remplissent leurs vœu. Ceux qui ne remplissent pas leurs vœux sont les hypocrites. Ça fait partie des quatre caractéristiques de l'hypocrite. Quand il promet, il ne tient pas à ta promesse et Allah décrit les croyants dans ces 11 premiers versets de la sourate 23 yufunabi dans la sourate Al Insan 76 et Allah décrit les croyants en disant qu'ils respectaient leur vœu quand on fait le vœu il faut que le vœu soit pour quelque chose de permis là tu dois le satisfaire il faut que ce soit quelque chose qui que tu sais sur quoi tu as une un pouvoir pour pouvoir le faire. Tu ne peux pas promettre ou faire un serment pour quelque chose qui ne t'appartient pas, ou quelque chose qui est interdit. Si on fait un vœu pour une chose qui est interdite, on ne le fait pas. On le remplace par mieux, par quelque chose qui est permis. Mais ce n'est pas pour autant que Allah va, subhanahu wa ta'ala te le donner, parce qu'il n'est obligé de personne. Si tu ne le donnes pas, c'est mieux pour toi. Allah bénisse celui qui a dit Si je Allah me donne ce que je veux, je suis content. S'il ne me donne pas ce que je veux, ce que je lui ai demandé, je suis dix fois plus content. On dit pourquoi Il dit parce que la première fois, il m'a donné ce que moi j'aime. Mais ce dont il m'a privé, c'est ce qu'il aime. Il a préféré ne pas me donner ce que moi j'aime. Et donc, moi j'aime ce que lui, il aime. Il a préféré, il a aimé ne pas me donner ça. Il va me, certainement me donner mieux que cela. Donc, des exemples, ce n'est pas ce qui manque. Et tout ça, c'est de l'adoration. L'espoir. Que ton espoir soit en Allah. Pourquoi on est déçu, mes frères et sœurs Et j'en fais partie. Pourquoi on est déçu C'est bien parce qu'on avait un espoir en autre que Allah. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'espoir. L'espoir, c'est ce besoin d'une chose dont l'accès n'est pas aussi évident que ça. L'accès est difficile. On a quand même espoir de, bon espoir de. On le demande à Allah. Celui qui est capable de toute chose. Car Allah, s'il veut une chose, il suffit qu'il dise soi et la chose elle est Mais quand on espère de quelqu'un d'autre, très certainement on est déçu. On sera déçu par tout le monde sauf par Allah. Subhanahu wa ta'ala. On sera déçu par tout le monde sauf par Allah. Parce qu'on place son espoir à un être qui est, qui est pauvre. À un être qui est impuissant. À un être qui ne sait pas. À un être qui peut te tromper. Et Allah seul est parfait. Donc pourquoi demander me demander ce que je n'ai pas. C'est sûr que je vais te décevoir, parce que je ne l'ai pas. Même si je te le promettais, ce que je ne devrais pas faire. C'est que j'ai oublié que je ne suis rien que ce que Allah a voulu faire de moi. On est souvent dessus, c'est dommage. Oui, oui, tu m'as déçu. Oui, parce que tu m'as attribué des attributs que je n'ai pas. Allah seul est parfait. Allah seul possède tout. Donc, il y a ces, cette association qui peut se manifester de ce point de vue, notamment au point de vue du dogme, mais également au point de vue de. des choses autres que le dogme, entre guillemets, dans la prière, dans le jeûne, dans autre chose qu'on verra, Charles, parce qu'il est déjà 23 heures. Donc, il y a l'association au niveau du dogme, l'association au niveau des actes, l'association au niveau de la parole, l'association au niveau du cœur. Tout ceci rentre dans l'éducation et que donc que ton espoir. Il faut essayer d'extirper toute forme d'association. Allah, il est unique. Le tawhid, on en vient souvent, c'est le parallèle de l'adoration. La, c'est voué à Allah seul, son adoration. Les savants sont d'accord pour diviser le tawhid en trois parties. Tawhid et rububiyyah tawhid et tawhid et asma sifat. Bien qu'il soit un, il y a un aspect les polythéistes ne contestent pas, c'est que c'est Allah le seul créateur. C'est lui qui pourvoit tous les besoins. Mais ça c'était avant. Aujourd'hui, pour ceux qui prétendent ne pas y croire, bien entendu, tu ne vas pas partager cela, cette vérité avec eux. Mais même les polythéistes y croyaient. Et c'est Allah seul qui gère tout. Allah dit dans la Surah 39 encore et d'autres Surahs Si tu leur demandes, il y a Mohammed qui a créé les cieux et la terre, il dirait c'est Allah. Aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont dire c'est le hasard. Même quand euh, mon frère, ma soeur, on dit parfois Non, mais c'est par hasard que ça, tu dois revenir. Ce n'est pas de l'association qui fait sortir l'islam. Mais c'est une erreur fondamentale. Si tu penses effectivement qu'il y a une place pour le hasard, que le hasard gère, ça veut dire que Allah ne gérerait pas tout. Le fait de penser, d'être convaincu en tout cas, que le hasard existe, ça veut dire On parle de jeu de hasard parce que toi tu ne le maîtrises pas. Mais rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Donc méfie-toi quand tu dis c'est par hasard que je t'ai rencontré. Dis plutôt je ne m'y attendais pas. Allah a voulu qu'on se rencontre. Mais c'était écrit 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre que j'allais te rencontrer parce qu'il a sa sagesse l'a dictée. Sa volonté l'a réalisée. Et c'est lui qui a créé cette rencontre. Et il a toujours su. Le hasard, ça veut dire qu'il y a des choses qui. Se balade et puis finalement ça s'entrechoque, ça se réunit, ça se rencontre. Voilà, Allah n'aurait peut-être pas su. Que, donc c'est quelque chose qui est très grave. Si on pense vraiment qu'il y a des choses qu'Allah n'a pas créées, on sort de l'islam, on a oublié. C'est Allah qui a tout créé. C'est Allah, Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc pensez qu'il y a une place. صا سي توحيد ربوبيه سي الله كي هو السول كرياتور سي اللي كي بروا طول البزون اللي كي جير طول التوحيد اولوهيه سي الفت دو سافوار الله سبحانه وتعالى هو السول دين ادوراسيون في طول سيكو لا فيغ ك سوغ بو لا بريغيه فيرس 172 6 قل يا محمد دي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دي دار يا محمد Ma prière, mes actes de dévotion, mes sacrifices, il n'a salati wa nusu wa ma vie ma mort appartient à <le> Allah Seigneur des mondes. C'est ce qui m'a été ordonné. C'est le tawhid donc il y a Ta'awhid, à ce qu'on sifat, c'est le l'unicité d'Allah Subhanahu wa Taala ses noms et attributs. Rien ne l'est semblable. Leïsa ka mithlihi shay, wa huwa sami al basir, sourate 42 Verset 11, rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend parfaitement, qui voit parfaitement. Pensez que, bien entendu, Allah a utilisé une, la, une langue arabe claire, qui est compréhensible des Arabes et ensuite des gens qui l'apprennent. Quand Allah voit, il te dit qu'il voit, il sait. Mais nous, nous connaissons, parce que lui l'a toujours su. Allah n'a pas eu un attribut après avoir fait quelque chose. Ce n'est pas parce que nous avons fait des péchés, après nous avoir créés, qu'il qu est devenu pardonneur. Il a toujours été pardonneur. Il a toujours su. Il a toujours été omnipotent. Et donc, penser qu'il y a des gens qui sont omniscients, que des gens qui connaissent l'avenir, c'est leur attribuer des attributs particuliers. À Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de l'association majeure. Donc, il faudrait connaître son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il faudrait purifier extirper le shirk, je dis bien extirper, le retirer de son cœur pendant toute son éducation, bien entendu, comme tout enfant, comme tout apprenti, comme tout, tout, tout élève, on apprend petit à petit, on se lève, on tombe, on se relève, on tombe, et puis nous voilà en train de marcher droit sur les deux pieds, sur les deux jambes. Donc, on fait des erreurs. On demande pardon à Allah, comme l'a dit le professeur Sallallahu wa L'erreur est humaine, on dit. Tout fils d'Adam est soumis à l'erreur et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentant. Donc, il ne s'agit pas de compter ces erreurs. On remercie Allah de nous avoir fait vivre cela, pour nous apprendre, pour nous enseigner que ce sont des erreurs, que Allah est parfait et qu'on ne le connaît pas, puisqu'on l'aurait aimé. Subhanahu wa ta'ala, il rien d'autre que Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça ce sont quelques aspects, quelques formes et il y en a bien d'autres. Mais alhamdulillah, on va arrêter donc de parler de cette chose si importante. Mais notre mère Aïcha disait, on lui fait dire en tout cas, l'association le shirk est tellement subtile, il est plus difficile d'avoir, il est plus subtil que la marche d'une fourmi noire dans une nuit ténébreuse.

inopinément, involontairement, parce qu'il se peut, effectivement, qu'on est associé à Allah, ce dont il se passe. Il se passe de tout. Donc, c'est si on insiste sur le sujet, c'est parce que ton éducation amé, allant vers Allah t'amène à extirper, encore une fois, de ton cœur, le jour où ni les biens ni les enfants ne serviront à qui que ce soit sauf pour celui qui rencontre Allah avec un cœur pur on dit un cœur exempt de shirk il faudrait qu'on le garde ce n'est pas une leçon de morale ce n'est pas dire que tout ce qui se fait dans les, par les musulmans est mauvais non le professeur a insisté dessus parce que in allaha, da an wa Allah ne pardonne pas qu'on le suscite quoi que ce soit en dessin de ça en dehors de ça, Allah pardonne à qui veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur. Qu'il fasse euh, que notre âme qui va nous accompagner, qui ne nous quitte que pendant le sommeil et qui nous quittera au moment de la mort, soit l'âme la plus pure possible, soit une âme apaisée. Elle ne saura jamais être apaisée si elle contient tant soit peu d'associations à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui se passe de tout. Avant de terminer, donc, j'ai euh, eu beaucoup de demandes, beaucoup de questions à propos. Des événements qui se passent, qui sont toujours passés. Je dirais simplement, je résumerai cette question qu'est-ce que le prophète aurait fait Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que, qu que ses compagnons auraient fait dans les cas que nous vivons Alhamdulillah, ils craignaient Allah ils sont restés pendant 13 ans à la Mecque des gens qu'on avait tués, qu'on avait assassinés, qu'on avait torturés et le prophète leur disait sabran. Sabran ya Yasser. Patience aux familles Yasser, votre rendez-vous est au paradis. Aux activistes, aux émotifs, je leur dirais simplement que Allah a éprouvé les fils d'Israël du temps de Moussa alayhi wa sallam. Il, il n'a pas cessé de les éprouver. Mais il a aussi Pharaon qu'est-ce qu'il faisait il égorgeait tous les fils d'Israël, tous les nouveaux-nés. Aujourd'hui, euh, quand, quand on veut émouvoir les gens, on dit il y a les enfants, il y a les femmes, il y a les enfants surtout. Tous les nouveaux-nés, Satan les mettait à mort. Quand ils étaient des garçons, et quand euh, ils étaient des filles, on les laissait vivre pour, les, pour en faire des servantes. Moussa. Mais le, on dit le troisième dans la hiérarchie des prophètes. Après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Après Ibrahim, alayhi wa sallam. Wa kalam Allahumu sata klima. Allah lui a parlé de vive voix. Il n'était pas qu'on nous, en train de faire ce qui nous passe par la tête, parce qu'on a été choqué, parce qu'on a vu des choses. Qu'est-ce que Moussa leur a dit Asta'inu, bisabari, wasbiru. Asta'inu wasbiru. Allah nous dit dans la surah al baqarah entre autres, was Bis Bissaberi was-salah. Moussa leur dit, alors qu'on on égorgeait les fils d'Israël, les nouveaux-nés, on les égorgeait. Il leur disait, recherchez protection, recherchez aide auprès de la prière et faites patience. La terre appartient à Allah comme tout lui appartient. Il, il, fait, il, fait des, il, il en fait hériter qui il veut. Il en fait hériter qui il veut. Et dans cette période extrêmement douloureuse qu'on peut imaginer, qu'on n'a pas vécue, qu'est-ce qu'Allah leur ordonnait à travers Moussa De construire des. De trouver dans chaque maison, d'en faire des lieux de prière et de, et de chercher, de se diriger vers une qibla, vers une direction où prier. On a encore plus, on a toujours besoin d'Allah. Mais dans ces moments-là surtout, le dernier tiers de la nuit, dans les prières, dans les prosternations, à la fin de chaque prière avant le salam, on a encore plus besoin de se rappeler Allah pour qu'il nous pardonne, pour qu'il sauve les opprimés et les gens qui sont injustement traités. Allah seul sait, même si le monde entier est injuste, même si le monde entier supporte l'injustice, Allah est juste. Il a intérêt l'injustice. Et ça doit être une conviction pour le croyant. Ne pense pas que... Allah ne peut pas agir ou qu'il les laisse faire parce que cela lui plaît. Non. Lis, ma sœur, lis, mon frère, la, la fin de la sourate Ibrahim, sourate 14. Tu verras ce qu'Allah dit à propos de ce que tu vois en apparence que les gens jouissent dans vivent dans l'injustice, vivent dans le luxe. Ne pense pas que Allah subhanahu wa ta'ala est insouciant Ou ne les voit pas Ou est impuissant au contraire Il, il laisse juste un, un délai Que le monde entier Se, se, se s'unisse Contre l'injustice Plutôt pour l'injustice Et fasse l'injustice Allah subhanahu wa ta'ala veille Et s'il l'a voulu C'est pour nous rapprocher de lui Et les injustices n'ont pas commencé aujourd'hui Et les injustices ne vont certainement pas finir Aujourd'hui et donc le minimum, que chacun d'entre nous soit convaincu que ça nous renforce encore plus. Qui aujourd'hui peut imaginer que l'injustice, que ce soit en Chine, que ce soit ailleurs, que ce soit en Palestine, que ce soit n'importe où, qui aujourd'hui peut imaginer une fin meilleure Mais on sait que Allah est juste et qu'Allah est omnipotent et il faut le supplier. Mais ce ne sont pas tes manifestations que tu interdites, où tu vas y trouver, où des gens vont l'exploiter pour s'aimer le désordre sur la terre, et ce serait par ta faute, entre autres, qui vont changer quelque chose. Si ça change, fais-le. Si autre que Allah subhanahu wa ta'ala peut changer la situation, fais-la. Et je te mets en garde, par contre, contre une chose. C'est l'injustice. C'est l'injustice. Parce que ce n'est pas parce que Allah dit Si vous vengez, ne dépassez pas la limite. Mais si vous patientez, c'est mieux pour vous. Le prophète, on voulait le tuer et il disait Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'il ne savent pas. Allah, je plains les injustes. Je plains les injustes. Parce qu'ils n'ont pas la shadid. La de ton Seigneur est tout simplement terrible. Elle est terrible, si seulement il le savait. L'histoire de Pharaon, n'est-elle pas arrivée? Prends la sourate 85 à l'Ordou de Lila jusqu'au bout. Et les coalisé. Fais un peu d'histoire. Et certainement tu trouveras dans la prière et dans la patience les deux remèdes que Allah subhanahu wa ta'ala a inspirés, a ordonner à Moussa. Dans des situations bien plus difficiles, à Muhammad, alayhi wa sallam, et à d'autres prophètes qui ont subi ce que nous n'avons pas subi. Mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Lève-toi et fais la prière, comme il est dit. Et mets ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le vivant qui ne meurt pas, il a intérêt l'injustice et c'est certain que cette injustice va être réglée par Allah subhanahu wa Mais toi, méfie-toi d'être injuste. Au travers de ta colère que Satan te met qui peut être légitime, entre guillemets, la colère est légitime. Quand on voit une injustice, celui qui voit un faible amour, qu'il le change de sa main, s'il le peut de sa langue, s'il le peut au moins de, sa langue, de, de son cœur. Mais cela ne doit pas t'amener à être un outil de Satan pour prendre le droit ou insulter ou agresser qui que ce soit. Et tu n'as pas le droit, sous ce couvert-là, de manifester ton ignorance et une injustice au travers du racisme ou de l'ostracisme. Si on peut parler de race humaine, est-ce qu'il a demandé à être noir Est-ce qu'il a demandé à être jaune Est-ce qu'il a demandé à être juif Est-ce qu'il a demandé à être ceci Pourquoi tu juges quelqu'un au travers de ce qu'il n'a pas choisi Tu n'as pas le droit. Allah a rendu sacré cinq choses, parmi lesquelles les biens des gens, leur honneur, leur religion, leur vie, tu n'as pas le droit. Et même si tu es musulman, même si tu penses, dans l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que ta cause, tu la penses juste, ou même qu'elle est juste, que tu as le droit. Le prophète, quand il a vu des femmes eh, mortes, alors que Khalid ibn Walid, qu'elle l'épée d'Allah, comme il l'appelait, était responsable, il a dit à Khalid de ne pas toucher aux femmes et aux enfants. Si tu es injuste, même pour une cause qui peut être juste, Très certainement, tu t'éloignes d'Allah, puisqu'Allah a intérêt l'injustice. Sois juste vis-à-vis -vis de toi-même, vis-à-vis de ton Seigneur avant tout, vis-à-vis -vis de tout ce qui existe, et très certainement, la fin est proche. Ta fin, certainement, et la fin de l'injustice aussi, puisque quand on sera rappelé, ça fait peur. Ça fait peur d'être rappelé par Allah. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah Omar ibn Khattab en avait peur. Il connaissait son Seigneur, pourtant le paradis lui a été promis. Et il dit pauvre de la mère de Omar, si Allah ne te pardonne pas. Et pourtant nous disons que c'était un roi juste ou un gouverneur juste. Allah nous ordonne dans la soirée 5, verset 2 et verset 8. Que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à l'injustice, ne vous empêche pas d'être équitable. Moi aussi tout, soyez équitable. Allah aime les gens qui sont équitables. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Allah exige. Surat 16, verset 90. Allah ordonne l'équité en toutes choses. Et l'excellence. Jusqu'à la fin du verset. Donc méfie-toi, ma soeur au vu de vidéos ou de je ne sais quoi d'autre, que tu te mettes à prendre le droit de qui que ce soit, être injuste parce que tu as le pays. Ça ne changera pas grand-chose peut-être dans ta vie ici, mais dans l'au-delà, tu as le pays. Et je me dis, on est tellement manipulable. De l'information, on l'entend. Des mensonges, des affirmations fausses. Change de chaîne. Ne fais pas de ta vie clouée devant des réseaux sociaux ou clouée ou en train de partager des horreurs

si un père vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Vérifiez-la. Et tu passes ta journée. Tu n'as peut-être même pas fait la prière. Tu passes ta journée en train de voir ce que l'on parle de reportage et de mensonges sur une situation qui est peut-être pire encore que celle qu'on te raconte. Mais Allah t'en a épargné prie pour toi-même, prie pour les gens qui sont éprouvés, et sois sûr qu'Allah est juste et qu'il a intérêt toute forme d'injustice, mon frère. Ne désespère pas. C'est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous amènera à nous rapprocher de lui, et non à nous éloigner, à manifester des, les passions, et à tomber sur le coup de gens, de politiques ou non politiques, qui pour des causes politiques, dans tous les cas, nous manipulent. Il manipule la population, la populace. Il nous manipule. On n'a pas d'informations et on croit à tout ce qu'on dit. Le professeur Salam a dit, il suffit de répéter tout ce que l'on entend pour mériter d'être qualifié de menteur. Donc je vous dis donc, mes frères et sœurs, priez pour nous. Priez pour les opprimés de partout. Et évitons l'injustice. Il se peut qu'Allah nous fasse miséricorde. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard, ça c'est une certitude. C'est fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève cette situation d'épreuve sur les opprimés avant qu'il ne soit trop tard pour les oppresseurs. Parce que les suiveurs et les suivis, ceux qui obéissent à ceux qui leur donnent donneurs d'ordre, ils seront en enfer comme Allah nous le dit dans la sourate 7 quand les suivis sont maudits par les suiveurs qui leur demande de double châtiment entre autres dans la sourate 7. Les uns ne pourront rien pour les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde et secours la vérité, c'est ce qu'il a promis, sa vérité est vraie, sa, sa promesse est vraie. Qu'Allah nous fasse miséricorde pour nos erreurs et nos fautes. Qu'Allah nous concentre sur ce qui nous sera utile ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah fasse que nos cœurs n'acceptent jamais l'injustice sous toutes ses formes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'au-delà soit une certitude pour nous et que nous y travaillons. Qu'Allah nous fasse aimer, l'aimer, aimer les gens qu'il qu aime, aimer les choses qu'il aime, aimer les choses qui emmènent vers son amour. Déjà, très tard. Parakloua comme pour votre confiance. Notre prochain rendez-vous, donc, ce samedi, Inch'Allah, avant de nous retrouver dans un autre épisode donc, de cette série La médecine des cœurs. Qu'Allah bénisse euh, votre temps, votre vie. Et. كريم قديل بوستا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته